Il y aura un homard au vin jaune, une ravioli de cèpe et un bar au caviar. Midi pile, chacun est à son poste. C'est bon là, on y va là ? Une quarantaine de couverts. C'est trop petit, vous voyez, vous n'avez pas de volume. Et l'exigence à chaque service. Vous mettez de l'orange, tout ça ? Oui. Des baies roses. On doit aujourd'hui que la présentation soit élégante. Je vous dirais même un mot très fort, ça soit un peu sexy. Une cuisine sexy. C'est très bon. Pensez. La noisette me dérange. Testez chaque matin. Pour la faire torréfier. Un plat qui est à la carte. On pense déjà à son remplacement. Mais comme une collection de une couture. De la haute couture, même avec ses petites mains. Une brigade bien organisée. En cuisine, 50 personnes le midi, 50 personnes le soir réparties en 4 secteurs. Viande, poisson, entrée et sucré. Chaque cuisinier qui arrive au 5, c'est assaisonner et cuire. Moi, je contrôle la saveur que j'ai définie. Pendant le service, lui, le chef ne cuisine pas, il supervise. J'ai fait que goûter, oui. Je suis un goûteur. C'est quand même un rôle pas facile. Surtout pour monter cette création. Un bar au lait ribo de mon enfance, avec son caviar iodé. Son plat fétiche. Je fais une cuisine très simple, pas compliquée. J'essaie de raconter des terroirs dans un palace. Une cuisine simple, mais 3 étoiles tout de même au Michelin. Et le titre donc de meilleur cuisinier de l'année.